Salut. Excuse-moi. Hey, Julien! Hey, ça va? Yes, donne-moi une seconde, je suis en train de payer ça. Une seconde. Ah ouais, pas de trouble, prends ton temps, prends ton temps. Voilà, c'est bon comme ça. Merci beaucoup. Ciao à toi, mon gars. Hey, les gars, Julien, c'est à la ligne. Oh, oh, hey, Julien! Hey, hey, yo! Hey. Ah ouais, top shape, top shape. Désolé d'appeler aussi tard, là, mais c'est juste qu'il m'est venu un flash pour l'idée du clip. Puis si vous avez deux minutes, moi je vous pitcherais ça direct là. Je suis comme, je suis vraiment énervé, mais je suis pas sûr que c'est comme de quoi qui va vous allumer. Ben oui, shoot. Let's go. Shoot. Ok, par quoi je commencerais bien ça? Okay, imaginez un gars qui travaille dans un... En fait, le gars, il est propriétaire d'un lavato. Genre de Car Wash Pro 2000, le coin, je sais pas moi, Ontario, de Lorigny. Le gars, il a lavé des autos toute la fin de semaine. C'est sa dernière auto de la journée. Ambiance super moody, genre gros backlight. Puis le gars, il frotte son char, OK? Cool. Fait que beauty shot d'un garagiste d'un car wash. Puis ce dude-là, c'est qui? Mais es-tu obligé d'être un dude? Parce que, tu sais, c'est pas parce que c'est un car wash qu'il faut que ce soit un dude. Ça pourrait être une fille, je pense. Ça prendrait une fille, un peu comme Guylaine. Guylaine. Puis le Tremblay, ouais. Ouais, mais en même temps, si on parle de filles, Julie Le Breton. C'est sûr que c'est du gros calibre. Solide, ouais. Solide. Ou sinon, Charlotte. Charlotte, Aubin. 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 À du start. Ouais, super bonne. Ah oui. Des belles options, là. Ouais, c'est des bonnes idées, mais en même temps, moi, en ce moment, j'ai un énorme trip Nicolas Michon. Hey, man, j'avoue. Bouge tellement bien, en plus. Ouais, puis paraît que son rapport qualité-prix est comme au top de l'industrie, là. Ben ouais, on va y aller avec Nicolas Michon. De toute façon, vous avez comme 2 piastres de budget. Là. Toutes les autres, ils n'auraient jamais accepté. Je veux t'envoyer une clé. Ouais, c'est ça, je recommence. Hein. Il est tard le soir. C'est la dernière voiture qu'il a lavée de la journée. Il s'approche de la porte. Il sort ses clés. Il vient pour barrer à la shop. Puis là, tout d'un coup, il entend. Allô? Je pourrais encore une fois ici déplacer les portées. Je pourrais aussi très bien mettre un titre pour intituler peut-être le nom de la pièce. Je sais plus quoi dire. Pièce 4, on pourrait placer le titre comme ceci. On pourrait déplacer les marges pour aérer un petit peu plus le tout. Et je peux vous montrer aussi, voici ce qui arriverait si on se mettrait en play. On voit l'ordinateur suivre la partition quand ça joue. OK, ben check, on va s'en jaser entre nous. Mais toi, t'es en train de me dire que t'es capable de te projeter faire un gros clip de 3 minutes avec un œuf qui part. T'as un peu. Ça, c'est juste l'intro, là. À partir de ce moment-là, l'œuf, il parle plus. Il se met à jouer de la musique en continu. Tu sais, le gars, il lave les chars toute la journée, puis là, tout d'un coup, il trouve un œuf qui joue de la musique. Là. Je veux dire, il y a quand même de quoi là-dedans. Là. Imagine si tu trouvais ça, toi, un œuf. Attends, Julien, Michon, il trouve un œuf, s'amourache de son œuf, puis vécu heureux dans son car wash. Non, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que ça chire. De toute façon, honnêtement, votre tune est bonne, mais
Je veux dire, après un bout, c'est sûr que ça finirait par taper ses nerfs à tout le monde. Là. Fait que dans le fond, à partir de ce moment-là, le gars, il est juste plus capable de sentir son œuf. En fait, c'est pas l'œuf le problème, là, c'est votre toune qui arrête pas de jouer. Là. Fait que là, il se met à trouver comme plein de façons d'essayer de s'en débarrasser. Là, quoi, là? Il s'en sort comment, le gars? Ouais, fait que depuis qu'il s'est débarrassé de son œuf, il est comme confronté à une perte de sens. C'est comme s'il y avait un vide qui était laissé par son œuf absent. Puis il checkait ça, je pense vraiment que ça, c'est le meilleur bout. Là. Cool ton idée artie, mais tu sais, ça fait 6 ans là, qu'on n'a pas sorti de nouvel album. Pis... Non, mais pour vrai, Julien, c'est comme il va falloir s'en parler, là, mais c'est pas tant ça qu'on avait en tête comme premier release. Là. Ok, non, mais c'est vraiment pas grave. Là. C'est sans farce, je m'attendais pas à ce que vous compreniez tout de toute façon. Là. C'est peut-être un peu compliqué pour vous autres, mais ben correct, c'est pour ça que je voulais vous appeler pour vous en parler avant. Fait que, écoute, je vais penser à d'autres choses, puis on check ça. Oui, merci. Bonsoir. Ciao. Right, ciao. Yeah. Oh boy.